Allez, salut à tous les amis, c'est Loan to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'autre War in the North, The End. Oh yeah, en effet j'ai regardé sur internet, oui, honte à moi, je sais. Où nous en étions dans le jeu, tout simplement. Et en fait, il se trouve que nous sommes au dernier chapitre. Alors, il reste... Enfin, dernier chapitre. Hein. Chapitre, pas mission. Attention, chapitre. C'est-à-dire que en gros, il nous reste deux missions. Celle-ci, plus une d'après. En gros, ce que je vais me faire, c'est que... je vais me faire une petite session. Là, je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais me faire ces deux missions. Et on aura enfin terminé ce Let's Play. Ce qui va me permettre de vous proposer... une autre série plus tard sur d'autres jeux, mais ça on en reparlera après, je ferai une autre vidéo. Donc j'étais rentré, hein, à la fin de l'épisode précédent, j'étais rentré dans la petite forteresse. On avait escaladé la montagne telle des dieux grecs surhumains, dotés d'une force absolument phénoménale. Voilà. Et j'étais rentré, donc c'est apparemment c'est pas du sang, vous voyez ce liquide, on croyait que c'est du liquide rouge. Mais en fait, enfin du sang pardon, mais en fait non, c'est de la rouille. Parce que cette forteresse, j'ai eu hyper peur là. Ça se transforme en jeu stressant. Qu'est-ce donc? Oh, c'est un truc pondu, on dirait de la viande. C'est pas très beau. Bref, il est grand temps d'explorer cet étendue faite de fer. Le fer. Bon, c'est parti. J'ai repris le nain, hein, bien sûr, parce que le nain c'est le plus badass et le plus pété. C'est avec celui-là que j'ai le stuff le plus pété, le plus cheaté. Ce sont des hommes de Karndoum, mais ils sont atteints de folie. Ils nous détruiraient s'ils le pouvaient. Dans les fesses. J'espère que tu l'as bien senti celle-là. Et qu'est-ce que tu nous fais là? Probablement peu surveillé. Il est bugué? D'accord, en fait je vais tirer dans les fesses, il est mort d'une hémorragie. Oh, c'est sale. Ah, je confirme. En fait c'est un vrai labyrinthe le machin. Ouais, va falloir faire attention de pas se paumer. Bon, à mon avis, dans un jeu comme ça, ça va être compliqué vu que c'est un petit peu couloir tout le temps. Y a un type qui a l'air d'être un petit peu cinglé là-bas. Bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Oh, y a plein de... Mais... Dans les fesses, encore une fois. C'est le shot dans les fesses. Ils sont buggés ou... Ça m'a l'air d'être bien buggé quand même, hein. Bon, on va dire que c'est buggé. On va dire que c'est complètement buggé de l'infini. Mais c'est pas grave. Allez hop, il y a de l'électricité, je sais même pas pourquoi. Il y a des rats. Ces misérables créatures ont sombré dans la folie en étudiant la sorcellerie noire. Ah. Ils réussissent à maîtriser ces arts diaboliques. Putain, il y a un coffre là. Attendez. Eh, s'il y a un coffre, c'est qu'on peut y accéder. Attendez, regardez le coffre en or. Le type, il a un coffre en or dans sa turne. Et comment on fait? Alors, excellente question. On va le tuer. Meurs, saloperie. Il est pété de vie ou... Ouais, bon d'accord, il meurt pas. Mais en tout cas, il a un putain de coffre. J'espère qu'on pourra rentrer dans sa turne. Histoire de lui piquer tout le butin. Comme des enfoirés. Normalement, à mon avis, ça doit être prévu. Parce que sinon... Attends, parce que là, pour moi là c'est sûr il y a du stuff complètement badass. À l'intérieur ça se voit. Et regardez, je crois que j'ai de la rouille sur moi en faisant des roulades. Bon, par contre ici ça pue, la grosse arène. On pète tous les tonneaux. Comme ici le doigt. Pas mal de pièces. L'argent ça me sera utile. Grande pièce. C'est vraiment étrange comme endroit. Ouais, il y a une ambiance. Une ambiance des types prisonniers. On peut pas péter. Ouais, c'est ça, tirer sur un levier pour ouvrir la porte. On peut rien péter en fait, à part les caisses. Ok, le levier là-bas. Ah, non, je déconne. Bon, eh ben écoutez, on va devoir faire le tour. Tac, on prend les petites caisses au passage, les carreaux. Mais comment? Attendez, c'est quoi ce bordel? Les types, ils ont des coffres dans leur pioule. Comment on fait pour y accéder? Par au-dessus? Non, je sais pas. En tout cas, le coffre là, ça m'intrigue. Au pire, j'y retournerai plus tard. Au pire, c'est pas grave si on l'a pas maintenant. J'y retournerai moi tout seul quand j'aurai. Oh, le rat! Putain, j'ai pas réussi. Je suis deg.
Attendez, on va espionner un petit peu là. Regardez-moi ça, ils ont plein de trucs dans leur cage, il y a des rats partout. Oui, c'est bien, c'est un levier. Laisse-moi récupérer. Putain, on l'a fait rapidement le tour. Ah oui, d'accord, fallait appuyer. Excusez-moi, j'avais pas vu. Bon, et là, ça va être la merde. Ah, oh non, pas les mecs comme ça. Alors ça, c'est les mecs du nord, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, génial. Résultat, ils vont tous se re... Yeah, et le jeu est débugué, hein. Oh là là, c'est dégueulasse, ça. Enfin, un peu de combat. Pas pour l'instant. Alors là, les mecs. Ouh, qu'est-ce qu'il me fait? Eh ben. Ouf. Putain, mais eh, en fait, j'avais oublié qu'il était. Mais, allez, frappe. 452 d'XP. Ah ouais, mais je chine direct. Ok, apparemment, ils ont pété tous la porte de leur cage. Donc, c'est l'occasion idéale pour aller récupérer tout le matos. Toi, je crois qu'on s'est mal compris. Putain, le salaud. Alors, lui. Eh ben non, te barre pas. Te barre pas. Je sais pas si j'ai des popos. Aïe. Oui, ça, j'avais oublié qu'il était badass. Enfin, qu'il était complètement pété. Oh oui, petit pont. Ouh, il a pas aimé ça. C'est tout. Oh, ouais. Bon, en même temps, vu le nombre de flèches, putain, il meurt héroïquement. Il faut le souligner, ça, c'est important. En tout cas, ces boss-là sont plutôt... Enfin, c'est pseudo-boss, entre guillemets, on va dire. C'est... ouais, si, c'est mini-boss. Ouais. Ils sont vraiment intéressants, je trouve, ils sont bien faits. Bon, c'est des mecs un peu nordiques à la style Skyrim, si vous voyez ce que je veux dire. On sent le... Il y a du poil, quoi. Du poil, de l'armure et des cornes, surtout, des cornes. Les petites peaux de bête. Les caisses sont repopées ou... Attendez, alors c'est ouvert, quoi. Ah, attendez, je retourne voir le coffre. Le coffre. À moins que ça n'ait rien changé. Si, voyez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Canon d'avant-bras de... Ok. D'avant-bras de la... Elfstone de quoi sommant? Oh, putain, attendez, ça m'intéresse. Deck cérémonial. Oh, ça, on s'en fout. Oh, regardez-moi ça. 32 puissance, canon d'avant-bras de la Moria. Ah oui, mais ils étaient... Ouh, ah ouais, j'en ai quand même des pétés, hein. 20 dégâts, dégâts du... Ouais, mais celui-là, il est plus intéressant. Lui, il a peut-être plus d'armure, mais ouais, non, au final, c'est pas plus intéressant. Quoique, est-ce que j'ai des Elfstones Bah, celle-là, putain. Les compétences de l'arme provoquent assommement 100%. Oh, quoique... 15 dégâts de feu, ça peut être pas mal, ça aussi. Attendez, j'ai envie de faire ça. Regardez ce qu'on va faire. Tac, tac. Pourquoi je peux pas? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. En place. Je peux pas la mettre. Ok, bon, de toute façon, voilà. Je ne peux pas la mettre, donc ça règle la question. C'est dommage parce que, bon... En fait, les gangs G sont, ont pas beaucoup d'armure, mais ils ont des effets intéressants. Alors, bon... Effectivement, c'est assez dur de s'en séparer, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, on progresse. Bon, encore des guignolos. Alors, faut pas oublier que je peux... Eh ben... Ah, voilà, dans les fesses, ça fait toujours du bien. Hop, le type a voulu me frapper. Oh. Ah, ça se suit. Génial, les mecs, ils ont des cellules... Bon, alors, toi... Voilà. Putain, il était pas mort, le type. Bon, alors, toi... Viens ici. Oh oui. Oh, le coup dans la teuté. Ouah, je suis bientôt niveau 21. Et bien sûr le coffre de récompense. Voyons voir Spalier inébranlable. Dangmar. De la thune. 35 d'armure. Non, celui-là il est vraiment mieux. Il n'y a pas à dire. Je crois qu'on va se faire tout un set. Ici j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai débloqué? De la merde. Ok. Bon. Une potion de santé, donc on a dit, on va faire l'inventaire un petit peu, 10 potions de santé, 12 potions de puissance, je crois.
de mana, bref, vous me comprenez, la barre bleue. Ça va, franchement ça va, je sais pas si le boss est dur, bon, enfin, je vais pas, enfin, on va pas spoiler, mais vous avez peut-être compris que là nous sommes bien sûr dans la forteresse de d'Agandor. On a conclu un marché avec le dragon. Oh, 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 qu'est-ce qui se... Oh, 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 t'as la caméra, la con... Non, c'est pas... C'est pas toi que je voulais. Ah mais sérieusement. Bon, on a conclu un marché avec le dragon, hein. Je sais pas, normalement vous devez vous en souvenir, c'est dans l'épisode précédent. Et on doit lui four... enfin lui livrer entre guillemets la forteresse d'Agandor, qui apparemment regorge de richesses. Bon, ça intéresse le dragon. Et bah pour ça, faut se défaire d'Agandor et aller le tuer. Dans sa... je sais pas où il est, en plus il doit être tout en haut, évidemment, dans la plus haute salle de la plus haute tour. Dans son trône. Pas d'échelle. Alors évidemment, tous les tonneaux... Mine de rien, plus 10, plus 10, plus 19, plus 20, voilà, hein. Quand on ajoute, ça fait une certaine somme. Alors là, il va y avoir un putain d'événement aléatoire qui va s'enclencher. Enfin, pas aléatoire, mais scripté, pardon. Ça va être la mort. En tout cas, très joli le décor, hein. Ah, bah oui, mais c'est pas la forteresse du roi sorcier, ça. Quand j'y pense... Enfin, à la base, hein. Enfin, à l'origine, pardon. C'est la base. Putain. Et merde, ils ont ramené toute la famille. Ouh, il a pas aimé. Mais il se prend déjà des coups assommants, lui. Ouh, lui non plus, là. Pourquoi je suis tout blanc? Ouf. Pas aimé, lui. Non, il est mort. Ce combo, ce combo, ce combo. Eradan est à l'arc. Il faut me soigner. Non, j'aimerais bien pousse ton gros cul. Ah, oh, fait chier, j'aurais voulu l'achever. Ça les assomme, hein. Je sais pas si vous voyez, mais tac, ils ont un espèce de, une espèce, pardon, décidément j'ai du mal à parler, de ouf, désintégration latérale. Ils ont une espèce de halo blanc. Ce qui signifie qu'ils sont assommés. Hein. Oh non, t'es sérieux? The? Ok, alors va falloir gérer... Non, putain, l'autre... Mais oh! Arrête de passer devant! Putain. Alors lui, il faut se le faire, parce qu'il va nous faire chier. Voilà, il a assommé. Putain, j'avais pas vu! On va se prendre une popo de puissance. Oh, les gars, là! Ah, oh bah tiens, je suis passé niveau 21. On va regarder ça après pour l'instant. Oh. Oh yeah. J'enchaîne. Ah merde, c'est vrai qu'il a des coups. Non mais bouge. Oh. La popo de l'amour. Ah, je l'ai eu. Ah merde, il y a des mages. Attends. Voilà, déjà. Putain, ça fait mal. Oh, la popo. Elle est où? Elle est où? Putain, alors toi. Assommé. Assommé. Voilà. Et voilà. Andriel, s'il te plaît, au lieu de faire ami-ami avec les autochtones, tu pourrais nous aider, s'il te plaît. Enfin, me soigner. Bon, évidemment, j'ai plus besoin. De toute façon, je vais passer le niveau. Ah ben non, le niveau, ça le passe... Ok, au moment même. Donc en fait, je viens de me faire couiller. Ah, il y a le troll. Ouf, le headshot. J'ai l'impression que j'enlève plus rien. Ouais, c'est bien. Ouh. Oh yeah. Yeah! Aïe! Ah, ça j'avais oublié. Ouais, bon, c'est bon. Hein. Je suis pas obligé de retenir toutes ces attaques non plus. Allez, on court. Allez! Ouh.
il aime pas ça, les coups à 1000 de... Mais oh, ce coup là c'est... Oh d'accord. Ok, si vous faites comme ça. Ouh, une arbalète. À moi. Ah oui, alors je passe le niveau. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un peu de force et un peu de résistance. Puisque je vous rappelle que je suis le tank. Sauvegarder. Alors, au niveau des compétences, augmente la génération passive de votre santé. Lors du cri de guerre, vos attaques rapprochées infligent des dégâts aux ennemis proches. Tire un projectile qui explose à l'impact. Ça, je veux. Comment on l'utilise? RT, c'est quoi déjà? Non, LT. Ah ouais, attendez, on va tester ça. Ouh, j'aime. Je veux ça. Ça, c'est pété, on m'avait dit. Effectivement, un pote à moi m'avait dit que c'était complètement overcheaté, amélioré au max. Et à la fin du jeu, mais il a raison. Il a complètement raison. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé 500 dégâts, je vous raconte pas. Si vous visez la tête. Alors ici c'est ouvert. Go hein. Putain, toutes ces caisses. Toute cette thune. D'ailleurs j'ai combien de thunes? 37 000. Ah ouais. Comme quoi les coffres ça a du bon. Oui. Pourquoi je... Oh des potes. Putain, lui il a pas compris ce qui lui est arrivé. Et mais meurs! Oh là là! Le mec n'a rien. Voilà! Je lui ai clos le caca. Bon, alors. Il faut plus de temps. Ouf. Il y a un levier là-bas. Ouf. Wow, il a pris une belle épée, Radan. Bon. Oh, j'adore. Mais, hé, mais meurs! Putain, mais décidément. Allez, toi, tu vas décéder. Voilà. Tellement jouissif. Non, mais. Putain, joli, Radan. 562 d'XP. Là, je sens. J'ai rien dit. En fait, c'est que de la thune et des objets inutiles. D'accord, je suis dégoûté. Je récupère le petit sac. Putain, ton épée est complètement badass. Allez, le petit QTE de merde. Ok, on va pouvoir progresser après l'ouverture de cette grille. Putain, vraiment, regardez-moi cette épée, elle a du style. Oh, et Radan, tu me vends du rêve. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Faites attention au troll. Oh non. Oh, il est où? Oh, oh non, non, non. Attends, combien? Ah non, j'ai cru qu'il y en avait 3. Putain, les mecs, là, ça va être compliqué. Heureusement qu'ils se tapent entre eux. Oh joli ça, ouais, tapez-vous entre... Oh putain. Le carnage que c'est. J'ai même pas fait gaffe à la durabilité de mes armes. Andriel, t'as intérêt à gérer, hein, au niveau des soins. Ceci est n'importe quoi. Bon, lui, je l'ai désintégré. Putain, la vache. Ouh. Oh oui, le retour. Mais finis-le. Ah ouais, dans la sphère de lumière. Joli. Fou. Putain. Eh, je vais crever, moi. Mais genre, comment il m'a eu? T'as, eh, le troll, là, il bouffe, mais putain, il prend rien. Oui, c'est super logique, ce que je viens de dire. Putain, mais avec du... Explique-moi pourquoi tu prends rien avec du 400 dans la gueule. Mais genre, c'était quoi, ce coup? Et Radan, pourquoi tu as bougé? Les pages chassées, c'est pas... Oh, la pauvre Andriel qui prend cher. Voilà. Oh putain. Qu'est-ce qu'on prend cher? Oh. Oh. Oh, le finish. Oh, ça c'était beau. Et un de moins.
Enfin, un au moins. Pilote du... Ouh, l'âme de la forteresse de fer. Bon, je crois que vous avez pas compris, vous. Je vous ai fait sauter la cervelle. Je vous ai fait sauter le caisson, comme on dit. Ouh. Ouh, tu apprécies pas, mon grand. Oh. Oh, oh, le double finish. Oh là 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 là. Oh, j'ai pas eu le temps. J'aurais pu faire un truc. Apparemment, je pouvais appuyer sur Y pour que ce soit encore plus badass. Du coup, j'ai absolument pas regardé tout le stuff que j'ai looté. Putain, c'est n'importe quoi. Oh, comment ça, 22 de dextérité. Ah ouais, mais en fait, mon arbalète légère, elle est moisie. Arbalète de la Moria. Il me faut 22 de dextérité. Et je suis à 9. D'accord. Bon, bah on n'y est pas encore. Hein. Couteau à deux mains. Ouais. Couteau à deux mains, ouais. La mienne est plus badass. Eh, n'empêche, je nous ai concocté un stuff des plus viables, hein, finalement. Quoique j'espère avoir des pièces légendaires là en grand nombre là. Histoire de faire des sets complets. C'est toujours jouissif de faire des sets complets dans les RPG de type hack and slash comme ce jeu. Mais non, regarde. C'est qu'un pécor, regarde, c'est un campagnard. Il a. Oula, il y a des bugs. Pas pour l'instant. Ah, oula, oula, oula. Oh, merde. Oula, il y a eu un micro bug. C'est pas grave. Il y a eu un micro bug avec Audacity, j'ai l'impression. J'espère que ça a pas tout fait planter. Oh, putain, ça me refait le même bug que la dernière fois là. Putain, j'ai peur là, ça m'a fait un peu planter. J'ai peur. J'espère qu'il s'est rien passé de grave. Enfin, que ça va pas me refaire comme la dernière fois. Ouvrir le coffre. Oh, alors attendez. Ça, je vais le mettre. Juste histoire de. 27 d'armure, 42 puissance. Putain, ça, faut que je le donne. Je vais le donner à Andriel. Paf. Comme ça, elle sera bien pétée avec cet anneau. J'espère que tu vas le mettre. Oh, je sais pas, il y a eu un bug. Ça a fait un peu. Ça a un peu ralenti Audacity. Ça a fait un peu bugger le son d'ailleurs. Bon, lui, on s'en fout, écoutez. Hein. Passons. Continuer, allez hop, on va pas s'emmerder pour un pécor là. Enfin, je veux dire, bon. Oh, comment ça. Merde! Oh, c'est pas ça que je voulais prendre. C'était ça. Allez, 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 allez. Comme on a appris. Pas pour l'instant. Oh oui, joli. J'aime la violence gratuite sur les potes. Putain, toi. Ah, trop rapide. Trop rapide, mon gros. Putain, il a rien compris. Oh, et puis les autres là, bon. Toi, voilà, 500 dans ta gueule. C'est dommage parce qu'avec une arbalète bien plus pétée, je ferais du 1000 de dégâts. Sauf que il me faut de la dextérité. Bon, là ça sert à rien. Autant y aller au corps à corps parce que sinon on va mettre 30 ans. Toi, oui, toi. Alors déjà, tu vas poser le bâton. Ah merde, j'avais pas vu ces. Putain, lui a mis une belle fessée au type. Oh, j'ai pas pu l'achever. Voilà, j'aime quand j'achève mes ennemis. Donc, ça c'est fait. On récupère. Mais. Va-t'en, micro. Joli. Joli, joli. Attends, vas-y, battez-vous ensemble. L'autre, il a rien compris. Il est bugué. Ah non, il était assommé. Enfin, il était à moitié bugué, assommé, on va dire. Ouh. Eh, au final, je les maîtrise bien, eux. Dans les fesses, 400. C'est dommage, avec une arbalète bien plus puissante, je ferais vachement plus de dégâts. C'est le moment de l'achever. Ah non, même pas. Ah bah si, c'était le moment de l'achever. Par contre, je suis dégoûté, j'ai... Non.
Ouais, non, c'est... J'ai pas eu d'XP... Ah, ça c'est beau. J'aime faire exploser des choses. J'espère que... Non, c'est bon. Ça a pas l'air de... Paf. Je régène ma puissance parce que c'est une catastrophe. Bon, hein. Ça finit de faire peur aux enfants, là, hein. Voilà. Ah, voilà, 130 d'XP. Putain, j'ai du mal. Allez, lui, c'est pareil. Robert, décapitation. Moi, je suis comme ça. C'est gore, hein. C'est gore. Une petite pièce avec... Même pas de coffre. Remboursé. Normalement, c'est là où il y a tout le... Ah, la petite popo de puissance. Ça, j'aime. Ah, la cinématique, d'ailleurs, on a combien de minutes? 25, c'est tout. Oh. Et le piaf. Oh putain, Andriel, elle est badass aussi. Bon, ça c'était évident. Putain, ouh, putain. Pas très amical le piaf. Oh yeah. La cinématique. Oh. Eh ben, défends-toi le piaf. T'es un egg, bordel. C'est quoi ça? C'est un. Ça. Oh, d'accord aussi. Oh oui. Oh oui, ça c'est beau ça. C'est beau ça. Lui va se péter la tronche encore. Et cette fois il va décéder comme une merde. C'en est fini de la bête d'Agrodor. Il ne nous échappera plus de cette manière. Vous allez bien? Mais le combat a été rude et vous avez été blessé. Sans blague. Vous vous sentez assez fort, vous devriez partir d'ici. Je reprendrai des forces d'ici peu. Mais je n'ai aucune intention de battre en retraite. Je veux participer à l'ultime combat contre Agrodor. Le sang des miens. Oh, j'en étais sûr. Et les liens d'amitié que j'ai tissés m'y obligent. Lena, vous ont laissé partir? Vous êtes fou! Très bien, nous aurons sûrement besoin de vous. Oh bah attends, oh. Oui, j'aurais fait la même chose si j'avais... Mais fallait pas dire ça, putain! J'ai besoin de vous avant la fin de la journée. J'ai... Mais vous êtes encore faible. Pouvez-vous au moins promettre de rester en dehors du combat, sauf en cas d'extrême nécessité? Mais dans ce cas-là, ça sert à rien qu'il reste, hein. Enfin, je sais pas, ouais, bon. La mort sera acceptable si elle permet d'en finir avec Agrandor. Mais je ferai ce que vous me demandez. Maintenant, ok, allons-y. Bah va faire un café et puis après on se rappelle, hein. Débarquer si nous attendons encore. Bah oui, si tu me laissais tuer Agrandor. Ah bah en fait, non, ça se trouve, je vais finir maintenant. Tuer Agrandor. Ok, bah à mon avis, c'est l'ultime truc, hein. Et là, je peux changer de personnage. Bah écoutez, on... Secret trouvé 0-0, total niveau, ok. Bah go. Putain, c'est vrai que je suis en normal, je suis même pas en difficile, hein. Putain, mais en difficile, qu'est-ce que ça doit être? Bah... Nous ne devons pas être loin. Non, restons si t'as ensemble. Le stuff pété, ça va en fait. Wouah, putain, se croirait dans Aladdin. Et à go. Jafar, je suis coincé! L'ultime boss. Ah! Ça fait un peu planter, j'ai l'impression. Non, ça va. Audacity n'a rien. Par contre, il y a des bugs de son. Agrandor. Est-ce possible? Les trois laquais se cachaient derrière les elfes à Fornost. Vous êtes ceux qui ont suivi mes pas et perturbé mes plans. Non. Oui. C'est pas vrai. Je vois pas de quoi tu parles. À chaque fois. Oh, c'est quoi cette vieille rhétorique? Vous avez simplement réussi à réveiller ma colère à cause de votre insolence. Ma conquête du Nord. Il faut avouer qu'il est quand même classe, hein. De telles menaces ne font que renforcer notre détermination, espèce de monstre. Oula. Descendez nous affronter à Gandor. Putain, on a eu un bug. Putain. C'est le Seigneur des Ténèbres en personne qui m'a tout appris. Je suis la plus grande arme de Sauron au Nord. Vous courez à votre... Mais non, t'es rien qu'un branquignol, t'es qu'un campagnard. J'ai absolument rien contre les campagnards, bien sûr. Mais oui, c'est ça, invoque la foudre de mes... Bref. Ok.
trop bien fait. Ouh, j'aime quand tu as l'air. Allez, bon, allez. Bah, boss final, les amis. C'est parti, je vais vous vendre du rêve. Bon, évidemment, je suppose que ça va... Ah! Ah, ouais, le... Ouh, putain, il est en train de la défoncer. Que Wulfrun. C'est qui Wulfrun déjà? Ah oui, Wulfrun, c'était le pécor. Oh! Eh! Mais eh! Ah voilà, j'allais dire. Eh! C'est tout, c'est ça le boss? Attendez, j'espère qu'il va nous faire un truc bien plus badass. Hein. Frappons à l'unisson. Oh, ça c'est dégueulasse, c'était pas pour moi là, c'était pour l'aile. Ouais, j'avoue, de lâche. Viens là, sac à merde. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il fait? Il décolle là? Il va où? Oh bah voilà, j'en étais sûr. Il va invoquer. Ah bah voilà! J'allais dire. Troll. Troll. Oh putain. Déjà? Putain, il est pas très résistant. Ah si, il a une barre de vie. Ça va. Ouh, ça c'était beau. Allez. Voilà, ça c'est dans ta face. Le troll de... Hein? Le pétaouchnock avec le marteau de fer là? Non, ça c'est nul. Regarde-moi ça, tu vaux rien. Tu vaux rien. Eh, il m'a même pas fait perdre un PV le sac. Oh là là, il vaut rien, il vaut rien. Par contre, Elfstone. Oh. Oh non, non, pas le. Putain, alors toi. Alors toi. Bon, alors voilà, toi. Ah merde, Eradan. Ah non, mais ouais, mais non, mais il y a l'autre con là. Oh oui. Oh oui. Ah merde. Ah merde. Ah non, l'autre elle est décédée. Oh putain non. Allez. Non mais meurs. Mais putain. Oh putain. Ah des cap. Putain non. Oh mais non, je suis dégoûté. Oh. Oh putain, non, avec les deux boulets ça va être une... Oh, fais chier. Hein? What the fuck? Ah ouais, d'accord. Genre, oh... Je t'ai pas accepté... Non mais, faut arrêter les conneries. Putain, mais alors toi... Oh oui. Il est encore plus fugace que Wulfrun. Oh... J'aime quand tu dis ce nom. Oh. Mais putain, mais... Ah, oh, je suis dégoûté. Non. Non. Franchement, je suis complètement dégoûté parce que... Bon, j'aurais pu l'avoir. Attends, je sens que ça va être encore la merde. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Mais arrête de décoller, quoi. Il est où, l'autre? Il est où? Il est où, à Gandor? Ah ouais, merci, bah putain. Est-ce que tu crois que je peux l'avoir de là? Oh, je suis deg. Bon, moi, je récupère ma life. On va se faire le troll, là. Oh, le troll qui vaut rien, parce que... Il est un peu moisi le troll hein. Il se laisse faire. Ouais, en fait c'est hyper. Le troll est hyper simple mais Je vais devoir attendre. Alors, en fait le troll est ridicule. Le troll est complètement éduqué. Oh, j'ai pas le même stuff. Ah non, mais si, ça s'ajoute.
Mais du coup... Non, faut les buter ceux-là. Non. Voilà. Faut éviter qu'ils se fassent tuer. Voilà. Rien de ce que l'ennemi peut nous jeter ne transpercera son bouclier. Ouh, je récupère ma life. Putain, je suis stressé les gars. Désolé si je commande pas mais... Vite. Oh, je... Putain, j'avais l'occasion de faire une belle attaque. Je régène, je régène. Putain, je régène. Ouah. Oh non. Oh, il a ramené encore plus. Je vous pisse dessus. Mais non, t'as pas besoin d'aide. Ça, c'est dans la tête. Putain, en fait, on les a démontés. Oh là, on les a déboîtés. Moi, je me fais le gros. Ah, ça, c'était pas prévu. Putain, je l'ai déboîté. Aïe. Oh la vache. Oui, oui, la sphère. La sphère de lumière. Oui. 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 Oh, trick de la garde, bar, le stuff de là-bas. Trop loin pour le laisser s'échapper maintenant. Il est où? Là, sur le pont. Oh. Oh. Oh, attendez, oh putain. Ah, oh, c'était pas fini en fait. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, cette de régène santé, 35 de dégâts blessures profondes. Oh, maître du savoir. Trick, trick de trick. Non, ouais. Je vais la donner à Andriel. Au niveau des anneaux, qu'est-ce qu'on a? De la merde. Et un vieux froc de merde. C'est tout. Putain, je suis deg. Putain, mais ce combat était pas mal, hein. Bon, d'abord, je me fais toutes les caisses et après, on continue. Ouais, après, on continue. Oh, gant de la forteresse de fer. Dès que c'est violet, ça me plaît. 4 de force, 4 de volonté, 60 de puissance. Ah ouais, maître archer, ça je vais le donner à Eradan. Qui s'en est équipé, qui a 2 épées complètement stylées. Complètement stylées, avec des gantelets complètement stylés. Eradan, tu me vends du rêve. Oui, alors je sais, je fais chier, mais j'ai envie de me faire toutes les caisses. Enfin, tous les tonneaux là. Déjà, je récupère des carreaux. Ouais. Ouais, il y a eu quelques bugs de son et tout là. Hein. C'est étrange. Tout à l'heure. J'espère que ouais, l'enregistrement, ça a pas fait capoter l'enregistrement. Enfin, pour l'instant, non, ça. Non, ça y est, c'est bon. Ça a pas. C'est bon. Eh ben, putain, c'était beau quand même. Hein. À Gandor, il a du prestige. Je récupère plein de trucs que je pourrais revendre. Hein. Hop, voyez, c'est bourré de stuff. Enfin, de stuff. De fric. Et de carreaux. Ah, yes. De quoi m'acheter un malabar. Allez, c'est parti, go. La cinématique. Putain, je suis deg. En fait, il y a plusieurs phases. Non, à moins que c'est... qui va réussir à s'échapper ou à faire une queue. Un truc. Oh, le mec est aimanté, tu sais. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, il a juste pété le pont. Oh, c'est que ça. Mec, c'est Magneto. Storm. Non, c'est Storm. Voilà, c'est Storm. Allez, on est reparti. Il y a plusieurs phases, malheureusement. Sauf qu'il est encore plus badass. Et merde. Heureusement qu'il se concentre...
Il se concentre sur les larmes. Ben... Putain, il est plus mobile. Oh, putain, mais... Comment tu loupes ça? Aïe. Ouh, le 2000 dans la face, tu l'as ressenti? Oh putain, je lui ai fait un combo de 7, il a pas aimé. Il est où? Il est où? Putain, il est où? Qu'est-ce qu'il va faire? T'es où? Hein? Ah non, putain, j'ai eu peur là, j'ai cru qu'il avait téléporté un mec. Putain, descends, sac à merde! Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais. Allez, oui. Heureusement qu'il se focus sur les larbins. Oh, je suis deg. Il est où? Il est où le salaud? Bah, c'est toujours ça, hein. 400, ça me. Ça consomme du mana, je suis d'accord, mais. Bon, bah, en attendant, moi, je me fais les caisses, hein. J'ai que ça à foutre. Ah, bah, ça y est. Ah, c'est bien. Ouf. Allez, on en profite, on active le cri de guerre. Il est où? C'est bien. Non. Putain, et j'ai cru que j'allais me chier, hein. Oh. Oh, il a pas aimé. Allez, active la popo. Faites attention à vous. Il invoque quoi? L'éclair. C'est quoi cette merde? Beleram est gravement blessé, mais il vous aidera si vous le souhaitez. Ah bah carrément, ouais. J'accepte. Putain, mais en fait c'est pété comme attaque ça. Ah oui. Oh la vache, elle a pris cher l'autre. Ah. Pas assez rapide, mon gros. Bon, en fait on le dépop, hein. Ah le salaud. Putain, mais arrête de bouger. Ah, loupé. Oh, le 2000 dans... Putain, là, je lui... Faut que je fasse attention à cette attaque. Bon, écoutez, on va utiliser les popos, hein. Par contre, j'espère que c'est pas le... J'espère que c'est le dernier combat. Parce que, en fait, sinon, ça va être compliqué à gérer niveau popo. Il est où? Vas-y, Radan, défonce-le. Hein, il est où? Putain, si j'avais seulement une arbalète bien plus puissante, ça aurait pu le faire, quoi. C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois que je fais le jeu. Ah, la popo de puissance. Allez, c'est parti, on y va. Allez, le cri de guerre. Oh. Ah merde. Ouh. Eh oh. Viens là. Non, j'ai pas eu. Putain. Oh oui. Oh oui. Oh oui, c'est le moment. Oh. Double success, motherfucker. La cinématique. J'ai besoin de votre force. Non. Oh, la cinématique de prestige. Oh. Boum. Poc. 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 Il est mort. Wow.
Ça voulait dire merci en draconique ? Très bonne question. Il semblerait que j'ai fait le bon choix. Sauron n'est plus. Non, tu t'es gouré. Quoi ? Comment vous pourriez savoir cela ? C'est vrai. Ah ouais. Je le ressens. Comme si on m'avait enlevé un grand poids que j'avais. Ah ouais, c'est en même temps. Je le ressens aussi. Il l'a fait. Frodo l'a vraiment fait. L'anneau a été détruit. Quoi qu'il en soit, vous devez honorer la promesse que vous m'avez faite. Ouais, attends. Andoum est à moi. Nous tenons parole, dragon. Vous y êtes le bienvenu. Surveillez vos manières, vieux Wyrm, et tout ira bien entre nous. C'est tout ? Grognement dédaigneux. Le mec, il n'en a rien à foutre, il nous prend pour des gros branques. Oh, et le piaf malade, qui vole bancalement. Et qui n'a plus de sang, aussi, en passant. Le chemin du retour est très long pour chacun de nous. Dirigeons-nous vers Imladris. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se reposer et retrouver des forces. Vous n'avez qu'un mot à dire et nous nous hâterons. Qu'en dites-vous, Farin ? Devrions-nous nous rendre à Foncombe ? Le mec, il tient son épée genre comme ça sur l'épaule. Semble bienvenu. Ah, c'est beau. Et c'est un beau let's play qui s'achève. Le Seigneur des Anneaux. Eh, hey, troisième succès, Sauveur d'Aigle. Eh ben, ce fut un beau jeu. Hein. Alors, c'est vrai qu'au début, je le trouvais assez limité. Enfin, c'est en avançant dans l'histoire. Enfin, dans le jeu, qu'au final, plus on monte en level, plus on a de compétences. Et plus c'est drôle, en fait. Et, en fait, c'est un jeu à refaire, en fait. C'est un jeu à refaire plusieurs fois avec... pour avoir encore plus de niveaux, plus de stuff. Franchement, c'est ça. Mais en tout cas, il était bien beau. Ce fut un beau jeu, je regrette pas. Je l'ai eu dans un bundle. C'était le tout premier bundle avec Batman. Enfin, le premier Humble Bundle que j'ai acheté, c'était en tout début d'année. Je sais plus quand j'ai commencé l'épisode 1 du coup du Seigneur des Anneaux. Mais voilà. En tout cas, bah, ça libère une place. Hein, une série terminée. Donc, je vais vous proposer un autre RPG. Vous allez voir, normalement vous allez pas être déçus, j'ai prévu, on va dire, entre guillemets, une saga. Enfin, vous allez voir. Elle a déjà été faite hein, beaucoup de fois, mais bon, voilà, moi j'ai envie de découvrir, et je voudrais vous le faire, le partager. Donc voilà, nous verrons cela plus tard. En tout cas, ce magnifique générique, superbe, on va passer... Niveau de difficulté augmenté, vous avez terminé le jeu, félicitations, votre communauté passe au niveau de difficulté suivant. Vous pouvez maintenant continuer à faire évoluer votre communauté en rejoignant l'histoire. Voilà, donc je suis niveau 21, j'ai plus qu'à... Ah merde, je suis en héroïque. Ah oui, ça va être compliqué. Oui, donc je disais, j'ai plus qu'à XP, à trouver du stuff, bref, à me faire plaisir. En tout cas, voilà, c'est la fin, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, cette série... voilà, je me suis fait plaisir. On remercie également Fou des Jeux Vidéo et Shorkan, je crois, qui m'a accompagné au début de l'aventure. Bref, on les remercie. Et puis, bon, on se laisse ici. Allez, salut à tous et portez-vous bien.